Bonsoir à tous et bienvenue. Cinq nouveaux ambassadeurs nommés en Côte d'Ivoire ont été reçus par le président Alassane Ouattara. Il s'agit des représentants du Djibouti, d'Iran, du Japon, du Pakistan et de la Namibie. Il leur a souhaité la bienvenue en Côte d'Ivoire et plein de succès dans leur mission ici. Des Sud-Coréens qui dansent l'abodan, le temate ou encore le yagba. Ça se passe au Festival culturel ivoiro-coréen, un festival qui veut promouvoir la culture ivoirienne dans ce pays d'Asie de l'Est. Le président Alassane Ouattara a reçu les nouveaux ambassadeurs du Djibouti, d'Iran, du Japon, du Pakistan et de la Namibie. Il leur a souhaité la bienvenue en Côte d'Ivoire et plein de succès dans leur mission dans le pays. Le récit de Nadja Eja. Ce sont au total cinq nouveaux ambassadeurs de la Namibie, du Djibouti, de l'Iran, du Japon et du Pakistan qui viennent de poser leurs valises sur le territoire, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ils ont remis au président de la République, Alassane Ouattara, leur lettre de créance. C'est la première fois qu'on ouvre une ambassade avec résidence à Abidjan. Donc ça, c'est un événement historique pour nous. J'ai l'honneur, aussi d'être le premier ambassadeur donc, qui sera résident à Abidjan. C'est un honneur. Concernant nos relations, elles sont excellentes. Côte d'Ivoire et Namibie are coastal states. La Côte d'Ivoire et la Namibie sont des pays côtiers. Je vais travailler dans le sens à rapprocher davantage nos deux différentes entités portuaires. Je voudrais aussi dire que le Pakistan est un pays qui est attaché à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire nous inspire énormément. Les relations entre la République islamique d'Iran et la Côte d'Ivoire remontent à environ un demi-siècle. Les deux pays, ils ont déjà beaucoup de potentialités et beaucoup de capacités de coopération. C'est un grand honneur et un grand plaisir d'être nommé et à la Côte d'Ivoire qui s'engage activement sur le développement économique et social et ainsi que sur la stabilité et la paix et en Afrique. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part exprimé la disponibilité du gouvernement ivoirien à accompagner ses diplomates dans la réussite de leur mission. La Côte d'Ivoire est en paix. Le climat politique est apaisé. Au plan économique, l'économie ivoirienne est à nouveau en forte croissance. Enfin, le plan national de développement pour la période 2021-2025 chiffré à environ 100 milliards de dollars américains, offre une large gamme d'opportunités d'investissement dans divers secteurs d'activité. Au cours de cette journée, le chef de l'État a accordé une audience à des émissaires venus d'Arabie Saoudite. Une rencontre au cours de laquelle la solidité des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été réaffirmées. On peut affirmer aussi que le traitement du cancer en Côte d'Ivoire est une priorité pour le gouvernement avec le lancement des travaux ce jeudi du deuxième centre de radiothérapie et d'oncologie médicale de Côte d'Ivoire d'un coût de 82 milliards de francs CFA. Il pourra recevoir à terme des patients d'ici et d'ailleurs. Pierre Dipomélin, Fulgence Quissiedo. La Côte d'Ivoire va se doter d'un deuxième centre de traitement de cancer. Après la présentation du projet, le Premier ministre Patrick Hachi a donné le premier coup de pelle. Le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale, dont les travaux vont durer 30 mois, sera bâti sur 5 hectares. Coût de l'ouvrage, 82 milliards de francs CFA, fruit de la coopération ivoiro-coréenne. Le centre comprendra plusieurs unités interactives dans la prise en charge des cancers, dont une unité d'oncologie médicale, une unité de radiothérapie, une unité de chirurgie-oncologie, une unité de soins intensifs, un département de médecine nucléaire, une unité d'imagerie de pointe, une unité de biologie et des salles de formation avec un auditorium de plus de 100 places. Cet hôpital sera aussi meublé d'équipements techniques, à savoir deux groupes électrogènes, un incinérateur, une station d'épuration. Le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale de Grand Bassam aura une vocation sous-régionale et bien plus encore, selon le chef du gouvernement. Ce centre aura une vocation naturelle d'excellence technique
avec un plateau technique doté des équipements les plus complets et les plus modernes, d'excellence nationale, mais aussi continentale, puisqu'il aura vocation à prolonger l'accueil déjà prodigué par notre pays avec le premier centre fonctionnel de Cocody, de patients venant d'autres pays africains, notamment du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, mais aussi du Cameroun, du Congo ou de la RDC. Le Premier ministre Patrick Hachi a aussi pris part au lancement des activités du hub de distribution à l'importation et à l'exportation Tridem Pharma Côte d'Ivoire. Les états généraux de l'éducation se poursuivent en Côte d'Ivoire. La ministre Marietou Koné a rencontré ce jeudi les acteurs des médias et de la communication afin de recueillir leurs avis et contributions pour une école ivoirienne en excellente santé. Mardoché Kouassi, Aruna Zeba. Cette rencontre d'échange entre la ministre Marietou Koné et les hommes et femmes des médias rentre dans le cadre des consultations avec les groupes constitués. Il s'agit de recueillir les contributions de ce secteur pour le compte des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faut d'abord recueillir les suggestions et les propositions, comme nous l'avons dit. Ensuite, nous allons jouer notre rôle de tous les jours, qui est dans la sensibilisation, le reporting, c'est-à-dire que faire le compte-rendu sur les différentes activités. Et bien entendu, il est important vraiment d'apporter des conseils afin que ces états généraux-là soient un grand succès. Entre autres contributions attendues des journalistes et communicateurs, il y a la stratégie pour une opérationnalisation réussie des résultats finaux des concertations avec toutes les parties, mais aussi la proposition d'une stratégie efficace de communication sur l'ensemble du processus, tout ceci consigné dans un document officiel. Aujourd'hui, nous donnons la possibilité aux journalistes de nous produire un document unique au nom de la presse de Côte d'Ivoire. Chaque voix compte et la voix de la presse sera entendue et sera prise en compte dans les réformes qui seront prises très bientôt pour une meilleure école en Côte d'Ivoire. Lancés le 19 juillet dernier, les états généraux de l'éducation nationale sont aujourd'hui dans la phase de consultation des parties prenantes. À cette phase succéderont l'organisation des journées nationales et la capitalisation des rapports des états généraux. Une feuille de route consensuelle permettant la mise en place d'une instance de suivi-évaluation des recommandations et résolutions viendra sanctionner la fin des travaux, après leur présentation au président de la République, Alassane Ouattara. Et puis dans 5 jours, la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays du monde, va célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Quelques jours de cet événement, une campagne contre les violences basées sur le genre a eu lieu ce jeudi dans une école. Objectif, sensibiliser les plus jeunes et les inciter à dénoncer en cas de VBG. Nadja Edja, Mathurin Badé. En 2020, 5405 cas de violences basées sur le genre, dont 822 viols, ont été rapportés au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire. Le pays est classé 155e sur 189 dans le classement de l'indice de l'inégalité 2017 du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, sensibiliser les plus jeunes en sillonnant les écoles. C'est la démarche des acteurs de la lutte contre les VBG. Aujourd'hui, on a présenté les 6 types. Donc, les enfants savent déjà que le viol, les agressions sexuelles, les agressions physiques, les mariages d'enfants, mariages forcés, déni de ressources, maltraitance psychologique, ce sont des formes de violence basées sur le genre qu'il faut dénoncer. Et il ne faut pas permettre à qui que ce soit ton papa, que ce soit ta maman, ton oncle, ton cousin, qu'il te fasse certains attouchements ou qu'il commette ces violences-là sur toi. Toute violence amène de la souffrance, amène du traumatisme. Donc ça déséquilibre la personne au niveau de son comportement, au niveau émotionnel, la honte, la peur. Donc toutes ces conséquences-là peuvent amener des élèves à ne plus vouloir fréquenter, à se dévaloriser et à perdre confiance. Au cours de cette journée de sensibilisation, la ministre de tutelle a interpellé élèves, parents d'élèves et enseignants sur la gravité de la situation. Mon dernier message va à l'endroit des enseignants et des encadreurs. Je leur recommande, si besoin était, d'allier aux enseignements pédagogiques les valeurs constructives de l'Ivoirien nouveau. Trop d'enfants et d'adolescents sont victimes d'agressions, tant sur leur lieu d'apprentissage, mais aussi au sein de leur famille. C'est donc tous ensemble que nous devons rester mobilisés comme nous le faisons déjà, chacun dans son champ d'action. Ces journées de sensibilisation de proximité se dérouleront dans plusieurs établissements scolaires du pays,
et seront suivies de consultations juridiques et psychologiques. Aussi ce 3 mars, au plateau, experts et acteurs du transport étaient réunis à l'occasion de la première édition du Salon de la mobilité afin de répondre aux difficultés qui minent le secteur. Nedjaïja et Kimo Eric y étaient. Voyons leur reportage. Durant ce Salon de la mobilité, c'est autour du thème « Système de transport intelligent, défis et opportunités » que sont articulés les échanges. Un choix inspiré du constat de la démographie galopante et l'influence du numérique qui s'impose. L'un des éléments qui peut être important à pouvoir exploiter pour pouvoir contribuer à cette mobilité-là, une bonne mobilité, c'est le numérique. Le numérique aujourd'hui est en train de s'imposer dans tout le secteur d'activité. Le secteur des transports n'est pas en marge. Parce que vous voyez, depuis un certain moment, Abidjan fait face à des innovations à travers la commande de taxis en ligne et aussi... Il y a des plateformes de billetterie en ligne. Tout récemment, il y a le ministère qui a développé la politique de la vidéo-verbalisation. Tout ça, c'est des mécanismes qui ont trait au transport intelligent. Ça impose vraiment de nouvelles façons de s'organiser, des investissements nouveaux, le respect de certaines normes et l'engagement irréversible vers la numérisation, la digitalisation. Un réel défi. En raison du caractère informel de ce secteur, les transporteurs se sont vus sensibiliser sur l'intérêt d'une adoption du digital. Il faut nécessairement et obligatoirement que nous nous adaptions à cette évolution, qui est positive d'ailleurs. Ne pas s'adapter, c'est accepter aujourd'hui de perdre le marché. Et comme nous ne voulons pas perdre le marché, nous sommes en train de travailler aux côtés du ministère des Transports pour que la digitalisation et la numérisation du transport aujourd'hui soient une réalité. Le Salon de la mobilité et à sa première édition, et réunit les experts et les acteurs du transport autour de la problématique cruciale pour le grand bénéfice des usagers. Et je vous le disais en titre, plus de 13 000 km, c'est la distance parcourue par des Sud-Coréens afin de découvrir la richesse culturelle ivoirienne. Pendant 2 semaines, ils ont été formés aux danses traditionnelles au cours d'un festival d'échanges culturels ivoiro-coréen. Un moment de partage qu'en temps renouvelé, le promoteur du festival. Brice Niawa, Tanguy Konan, Mathurin Badé. 13 145 km. C'est la distance que ces danseurs coréens ont parcouru pour l'apprentissage des danses ivoiriennes. Une culture qu'ils ont connue par le biais d'Ibrahim Konaté, cet artiste ivoirien vivant à Séoul, la capitale coréenne. J'aime la culture africaine et particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Du retour de ma visite au Burkina, j'ai rencontré Ibrahim et j'ai tout de suite saisi l'occasion de participer à cette aventure magnifique dans laquelle je m'éclate. 15 jours de stage formation émaillés des scènes de tam-tam, de chant et de danse locale. Un voyage culturel qui leur a permis de se frotter à plusieurs troupes artistiques afin d'aiguiser leur jeu. Quand on joue là-bas, on joue en Afrique, c'est très différent. Là, on est en stage. Ouais, ils sont en train d'apprendre. La fin, on va faire un festival. Port-Boué, village Amangwa. C'est le jour de la restitution des acquis des stagiaires. Avant, ils ont eu droit au traditionnel fautamanan, qui signifie bienvenue en langue sénoufo, représenté ici par ce masque, le wambélé. Dans les coulisses, on promet d'assurer le show. Je suis heureuse que le public soit venu à ce grand rendez-vous. Cela me donne encore plus de confiance. Et je sais que le spectacle sera beau. Face au regard médusé du public, le chef d'orchestre donne le top départ. Vous êtes prêts ? Oui ! Jeu de tam-tam, chant, danse, on donne tout dans les prestations qui s'enchaînent. Plusieurs rythmes ivoiriens, comme le gla et le tématé de l'ouest, le yagba et le ngoron du nord, l'abodan du centre n'ont pas manqué dans les pas de ces danseurs coréens qui ont bien enthousiasmé les spectateurs. Je n'ai jamais participé à ce genre de trucs, mais comme c'est une première, ça m'a fait du bien. C'est un soutien parce que c'est comme un échange de culture qu'on fait. Une satisfaction pour le maître de scène. Ils ont le courage de quitter jusqu'en Corée du Sud pour venir apprendre ma culture avec moi chez moi. Je suis très fier d'eux. C'est une belle expérience que je vis. C'est sûr, j'exporterai ce que j'ai appris ici chez moi afin de transmettre à mes amis coréens. Rendez-vous en 2023 pour la 2e édition du Festival d'échanges culturels ivoiro-coréen, qui se veut un cadre de promotion de la culture ivoirienne à l'international et vice-versa, selon les organisateurs, ce qui serait
intéressant pour toutes les parties quand on sait que la culture est ce trait d'union entre les peuples. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50. Evelyne Débat, excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.